c'était nul. T'as vraiment l'air de le faire réagir. Petite tarte gratos. Par le commandement suprême de Damera Vissari, et en vertu du 8e article de la Convention de paix, nous autorisons la libération et l'échange de tous les prisonniers, ainsi que leur restitution immédiate. Ah, je suis plus rapide que toi, c'est la puissance de pute. Je me demande si le fait qu'elle ne tire pas amènera un twist dans l'histoire. Oh, que suspense. Ah là là. Ah, le scénario est un petit peu nul et cliché, mais bon. Oui, si vous entendez des grincements, c'est mon canapé. Ah, bébé. Oh, bonjour, Fred. Je ne pas. Calculé, ça permet de faire des chargements invisibles. C'est une bonne idée. Surtout que, bon, même si, vas-y, vous verrez pas, je pense. Mais... Ça se voit quand même un petit peu que c'est un peu calculé. Un peu de l'encodage. Mais en soi, il est pas bon. Et oui, je suis en train de vous faire tous les liens. Je sais pas si vous entendez tous ces sons-là, donc. Je sais pas trop comment réagir à tout ça. C'est trop le spoiler qui n'en est pas un, parce que c'est déjà tout, absolument tous les trailers de jeu. Cette zone, on la verra après, en vrai, en calcul. VSA. Ils n'ont pas les infos que j'ai, les données sont éloquentes. Ils sont pas d'accord. Monsieur le ministre, nous allons devoir les convaincre. Je dois vous laisser. Excusez-moi. Bienvenue chez toi, Lucas. Merci, chef. Content d'être là. Les troupes apprécient peut-être ton geste, mais tu n'as pas été malin. Tu es trop important pour cette opération. Bon sang, tu es trop important pour moi. Je n'avais pas le choix. Seule ma capture pouvait permettre la libération de ces hommes. Heureusement, on avait une monnaie d'échange. Qui était-ce ? Son nom de code est Echo. La chancelière Vissari tenait à la récupérer. Au-delà du fait qu'elle est hybride, on ne sait rien d'autre. Je vais te montrer quelque chose. En tant que dirigeante de New Elgan, je refuse... J'imagine que t'es au courant. Les négociations ont été rompues il y a plusieurs jours. Le gouvernement fait durer en recherchant des options. Inutile de te dire qu'il n'en trouvera pas. Depuis quand on compte sur les politicards ? T'as pas tort. Oh, les politicards, quoi. Je sais que je t'en demande beaucoup après ce qui t'est arrivé. Mais j'ai besoin de ton aide. On est au bord du gouffre, Lucas. À la moindre erreur, nous sommes finis. L'argot, à votre disposition, chef. Cette technologie est beaucoup trop cool. C'était une mission de recours de l'autre côté du mur. Infiltration des transmissions militaires, mouvement de troupes, logistique. Il nous faut des preuves concrètes et alors on pourra frapper. Que s'est-il passé ? On l'ignore. C'est arrivé il y a 2 heures. Depuis, plus rien. Je veux que tu interviennes.
Contacte-moi quand tu auras trouvé l'équipage et les infos. Les Helghast savent qu'on était là et on veut juste limiter les dégâts. On ne peut laisser aucune trace. Je compte sur toi pour faire le ménage. Quoi ? Si ça, tu sauras quoi faire. Il y aura forcément des traces. Ils savent qu'on est là. Comment tu veux limiter ? J'abandonne. Follow the right way. What ? J'ai un couteau, ouais. La question c'est à quoi sert cet endroit concrètement? Qui dort ici? Voilà, comme ça il dégage. Bon, allez. Ouais. La lumière dynamique. C'est même pas la lumière dynamique, c'est comment dire la lumière. Il y a un terme qui dit que cette lumière est gérée de manière 3D. Pulsar, en fait. Ici Shadow 1-8. Je suis dans le complexe. Bien joué, 1-8. Trouvez et récupérez le paquet de l'arme. Bien reçu. Oui, il y a un truc de fou, ça. On a une ombre. Et si là vous dites, qu'est-ce qu'il dit, c'est n'importe quoi, évidemment qu'on a une ombre. Mais... Jouez à tous les FPS que vous avez. Et vérifiez. Regardez le nombre de jeux. Pulsar, j'ai repéré une caméra de surveillance. Les autres, pas de problème, mais. Utilise ton écho tactique pour repérer les menaces. Sois prudent, 1-8. Pulsar, terminé. Aucun des jeux. Le joueur n'a jamais d'ombre. Je pourrais tout à fait ouvrir cette porte. Mais il y a ceci. Ah non. On comprend tout de suite que c'est un truc de méchant. Donc on passe par là. Ouais, non. Il y a peut-être des bonus, mais ça me saoule d'aller jusque là-bas. C'est rien du tout. Intéressant. Bonjour, je suis Luca Kellan. Je suis un Shadow Marshal. Mais je fais aussi du parcours dans mes heures perdues. C'est cool. Et bien que je sois chez les pays, mes empreintes digitales font fonctionner les machines. La logique, il y a beaucoup d'aliasing sur ce plan. Normal, cohérent, je vais voir comment ça rendra sur la vidéo. Voilà. Oh non! Contrôle ici pour leur 4 pour rapport. Aucune trace de. Ouais. Il est décédé, je pense. Peu d'êtres vivants survivent un coup de couteau dans la gorge. Je vous avoue ce passage, je sais que ça va être par la fois. Je vous avoue que ce passage là je le connais un peu par cœur. Je l'ai fait il y a quelques jours seulement dans l'autre test vidéo. Tellement cliché. Chez les méchants, tout est pourri, même les chiottes. Que chez les gentils, tout est bien, tout est beau, tout est propre. Tu penses que c'est lié à Elgan? T'as vu leur entraînement?
de l'eau. Non, ils vont tomber des petites gogottes. Pas les petites gogottes. Alors, ouais, normalement, si je fais comme ça. Et ensuite. Patch. Et je crois que j'ai même des couteaux infinis en plus. Donc, métal de ce côté, c'est magnifique. Oui, je m'extasie. Complètement. Je suis le genre de joueur qui se masturbe sur de beaux graphismes. Et voilà notre petit compagnon. Truc super utile. Et qui fait que là je peux pas bouger pendant longtemps. Ouais. Je sais pas si je peux désactiver le didacticiel. Je sais pas si j'ai envie de désactiver le didacticiel. Là, ce fameux pavé tactile de la PS4 qui. Soyons honnêtes, est pas très très utile. Bon, après. Pulsar, ici ça. Shadow 1-8. Premier paquet localisé et récupéré. En route vers le deuxième paquet. Reçu. C'est très batmanesque. Les munitions devraient se trouver dans les parages. Oui, effectivement, l'armée est très très intelligente dans le sens où elle m'envoie une arme sans munitions. Oui, non, je juge pas. Alors, est-ce que je survis si je fais ça? Pas du tout. Ok. Je sais pas, je me suis dit peut-être que en tombant, j'active l'animation de la chute qui va tuer le mec. J'ai tenté. Parce que je suis un bourrin, je fonce dans le temps à la gueule. Alors j'ai pas de munition. Les bras. Munition récupérée. Ah oui, c'est vrai que je peux revivre. Comme ça. Tiens, j'avais oublié. Et là j'ai un petit temps, là j'ai un petit j'adore ce ralenti, j'adore ce ralenti. Voilà pour vous montrer le petit changement qu'ils opèrent pour te dire hey, t'es concentré, oula. J'ai la zone en visu. Passagère du lieu de l'accident. Rends-toi sur place et examine le site. J'y vais. 1-8, terminé. Ouais. Je crois que j'ai toujours trouvé ces rochers très jolis. Très réalistes. En dehors du fait qu'il y a des plantes qui en sortent. Mais bon. Et cette fumée par contre est moche. Je faisais la fumée d'explosion de GTA 4 et mieux. GTA 4. Pardon. GTA 5. Je suis une tyrolienne, ouais. Et alors il y a moyen que. Ouais. C'est ça que je voulais faire. Parce que bon. Sont tout à fait honnête, c'est un petit peu la classe américaine internationale. Bonjour, je suis un environnement semi-ouvert. Bon, plus le semi qui est ouvert, hein. Je suis même d'accord, mais tout de même. Quoi, attention, toi, attention. Ouais. Ouais, qu'est-ce que tu vas faire toi? Oh là. Qu'est-ce que tu fais? Désactive. Voilà.
est où celui-là?